Bonjour. Bonjour, entrez, monsieur... Loser. Monsieur Loser, bien sûr. Il est bien décoré, votre bureau. Merci, merci. Et c'est fauteuil en cuir, hein, c'est super. Donc justement, vous pouvez vous asseoir. Ah, merci. Il est vraiment chouette, ce cuir. Vous trouvez? Oh. C'est un chouette fauteuil. J'ai pas souvent l'occasion de m'asseoir dans un tel... Monsieur... Vous avez bientôt fini de vous asseoir? Oh, pardon. Alors, je vais seulement jeter un coup d'œil sur votre dossier. Ah oui, bien sûr, je vais... Non, restez assis, je vous en prie, je parle du dossier de vos transactions bancaires. Ah, bien sûr, d'accord, oui. Je vois ici un chèque fait à l'ordre d'un marchand d'instruments de musique. Oui, bah, c'est ce qui s'est passé, Qu'est-ce que j'entends? C'est du hautbois? Oui, c'est un chèque au bois. Ouais, ça va pas nous aider, hein? Il y a un problème? Ah, ça devrait s'arranger. Mon père disait, il faut jamais baisser la tête. Ah, ça, c'est vrai. Vous pouvez me donner l'adresse de votre employeur? Je travaille pas. Vous avez baissé la tête, là? Votre père, il serait pas fier? Pardon? Vous avez des dettes personnelles? Ouais, c'est-à-dire que je m'étais acheté une télé à crédit, mais ils sont revenus la chercher parce que je payais pas. Revenus bruts? Oui, ceux qui sont revenus, ils étaient vraiment bruts. Je veux dire, quel est votre revenu annuel? Annuel, j'ai pas un rond. Oui, mais le lendemain de Noël non plus, et ni au premier de l'an. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait endosser? Il y a peut-être mon ami Fred. Vous avez son adresse? C'est le 102. 102. Missile fixe. 102 missile fixe. Voilà. Ça peut pas marcher. Vous faites pas confiance en mon ami Fred? Ah non, il s'agit pas de ça. Je suis sûr que c'est un bon gars. Non, c'est un vagabond. C'est bien ce que je dis. Vous le connaissez? Si vous voulez bien, je vais faire une petite vérification auprès de votre ancienne banque au sujet de votre crédit. D'accord. On est pour une minute. C'est une radio, ça? C'est bien ça, oui. Elle est chouette. Merci. Le crédit de Sainte-Marguerite-les-Bains. Bonjour, mademoiselle, j'aimerais avoir un renseignement sur la solvabilité de monsieur Stéphane Loser. C'est pas compliqué, il est classé dans la filière hygiénique. Je vous demande pardon? Le plus doux papier hygiénique qui soit. Entre les mademoiselle. Fesses, allez-y avec caresse. Car pour les fesses, quoi de plus doux que caresse? C'est comme du coton entre les fesses, du caresse. C'est bon, caresse. Bon, écoutez, les fesses, papier hygiénique, caresse. Pour les fesses. Je peux plus avancer, j'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Tiens, c'est bizarre.